Sommes repartis pour... Ah oui. On avait fait l'autre côté, je me rappelle plus. J'ai des putains de trous de mémoire. Oui, on avait fait l'autre côté, on avait laissé crever le mec. Ouais. Ouais. On va mettre gros dur et on va augmenter gros dur. Je pense pas qu'on ait besoin de refaire le personnage. C'est vrai que si on refait le personnage, ça irait plus vite du coup, parce qu'on peut enlever genre ordure sournoise par exemple. Et même premier soin. Mais enfin voilà, payer 1000 hein, pour faire ça. Ça ira quoi. Ça ira. On met un peu bas en vie. Ah bah attends, on peut faire ça. Voilà. On a un robot qu'on peut... Du crochetage. Ok. Ça va être l'heure. Freedom. Hey assholes, over here. And this is for the food. D'accord. T'aurais pu me... Ah ça va, t'as tué un mec. Ah la musique est cool. J'ai vu sur qui là. Faudrait se mettre. On pourrait se mettre dans le coin avec Fury. On va voir comment ils avancent. Good Zeus. Alléluia, good Zeus. Yes. Ah, j'aurais dû lui mettre ça. Parce que là, il a pas... On est d'accord qu'il a pas le... Ah si, attends, le commandement, il est super grand maintenant. Tu vois ? Ouais, non. Non, non, ça, c'est pas lié au commandement, en fait. C'est pas lié à la zone du commandement, c'est plus petit. Ouais, ça servait à rien, c'est pas grave. Ah merde, mais c'est le Marshall que je bouge. Putain, j'ai cru que c'était... J'ai cru que c'était Thunder, merde. Pourquoi là ça protège pas? Oh, le chat, tu vas te calmer. Les musiques sont sympas.
Lui, il va peut-être nous foutre dans la merde, mais normalement, il devrait tirer sur le Marshall. Ouh. Oh, waouh. C'est bien parce que on a tellement augmenté. Enfin, la musique elle est très forte. Hein. Désolé, je vais gueuler, mais. On a tellement augmenté la précision avec entre les bonus passifs, genre par exemple concentration et tout ça. L'arme aussi, on n'a même pas rajouté de la précision sur l'arme. Mais on a des. Genre. Beaucoup d'atouts. Donc du coup, il y a ce tir là qui devient très très intéressant parce qu'il y a moins 40% de précision dessus. Mais 70% de coups critiques. Et honnêtement, je voudrais bien un moyen de voir. De voir le taux de coups critiques. On a 142% de précision, c'est vachement bien. Et ça, c'est quoi le taux de frappe, je crois? Ça, c'est l'esquive. Et ça, c'est la défense. Prévention de coup critique 20%. Alors peut-être sur l'arme on peut le voir. Peut-être que c'est tout cumulé. On lui dit coup critique 20. Ouais non, et ça nous le dit pas en fait. On doit avoir peut-être un 50%, un truc comme ça hein, de coup critique. Ah t'as affiché les stats. Oh bah je suis bête. Alors précision, c'est 142%. Ouais on est à 43%, ouais, quasiment 50. C'est pas mal hein. Pas mal, pas mal. Et on est à 142% de précision, donc on est toujours à 100%. Enfin, après, ça dépend des mecs qu'on combat, évidemment, de leur esquive à eux. Mais ouais, l'habilité, en fait, nous laisse en positif, quand même. Et on a 2.3 fois de critique. La vitesse à laquelle vous remplissez la jauge de frappe. Lorsque votre jauge est pleine, vous pouvez utiliser la capacité spéciale. Ça aussi, c'est pas mal. Normalement, il y a. Ah ben non, mais on l'a pas sur nous, mais le taux de frappe doit être vachement élevé des revolvers en fait. Il y a aussi le taux de frappe de lui parce que ça augmente beaucoup plus vite. On pourrait faire avec ça normalement. Ah non, c'est pas un fusil d'assaut, c'est une mitraillette donc c'est pareil. Ok. C'est avec la mitraillette, enfin non, avec le fusil d'assaut. On avait le ciblage en fait qui pouvait être intéressant. Elles sont pas mal les musiques. Après c'est pas trop mon style honnêtement mais c'est cool. J'ai peur de tirer là. On va se mettre là avec Sentinelle pour si jamais on doit aider l'autre là. Mmh.
ça. Ouh la vache. Ça fait beaucoup de robots là, par contre. Oui, je pensais qu'il allait être dans notre équipe, mais en fait non. La façon dont il combat là, c'est pas façon de joueur. Ça, à moins qu'il aurait genre une habilité spéciale avec son bras. Et là, il est à main nue en fait. Je sais pas. Ah, attends, il y a beaucoup de robots là. Chaque fois faut la remettre à côté, ça c'est chiant. Putain, 44% et t'as tout loupé. Attends, là on a le char, là on a tous les alliés. C'est chier. Il n'y a que le marshal qui va pouvoir nous sauver un peu. Là, ça m'embête, là. Bah, je vais tester un truc. Peut-être que je peux le brûler sans toucher les autres. Mais ça m'étonnerait. Allez. Ah bah. Si, je peux. Je crois que je peux. Ok, très bien. Déjà, on leur a débuffé. Lui honnêtement il est mal placé, mais bon, j'ai pas envie de tirer avec ça, on a une précision de merde. Batman. Et Ranger du désert, un ami d'Angela Def. Never heard of her. Oh. What's this about? Des dossiers sur Buchanan et ses enfants. Dirt on Buchanan. I am his dirt. That's why he buried me here. I am Warlord of the Scar Collectors, greatest slavers of the Colorado Plains.
when the Patriarch came east to put us down. Wow. We gave him more than he bargained for. Stopped him cold. I know he tells his people he secured his borders by beating us. Makes himself out a real hero. Bullshit. He made a deal. Gave the Scar Collectors, Piassos, and Godfish's money and supplies to hunt east and keep the smaller gangs out. Wait. He kept the peace in Colorado by sicking the gangs on his neighbors? That ain't right. Là, tu m'étonnes. Donc en gros, ouais, il maintient la paix au Colorado et il dit aux gangs d'aller foutre le bordel ailleurs. Quoi. Vraiment un connard, au lieu de les combattre. Yep. Not right for the neighbors, and not right for me. Worst bargain I ever made. Pourquoi c'était un problème pour lui? Security is the enemy of ambition. Got so used to having the Patriarch hand me my living that I forgot my destiny. An oracle told my mother I was born to make the Wakarusa Redlegs the greatest horde in Kansas. Was going to use the Scar Collectors to unite the Colorado gangs, then lead them home to take what's mine. But the deal with the Patriarch made me lazy. And Destiny's a jealous bitch. Ignore her, and she'll have her revenge. Another Buchanan. After Liberty failed to take her daddy's throne, she ran our way. Realized pretty soon she could turn our gangs against us by telling them about the deal we made with her father. Mm. Liberté, c'est la... c'est la stylée, c'est la fille stylée là, de l'autre là. Et honnêtement, encore une fois, je la trouve cool, moi. Genre le personnage en lui-même, son skin et tout, le fait qu'elle ait des robots et tout, genre comment elle nous a bloqués. Je la trouve vraiment stylée, donc si on peut s'allier avec elle, je dis pas non. She told him we'd settled for table scraps when we could have had the whole of Colorado. That we'd become guard dogs when we could have been kings. Which was the truth. So the gangs rose up. Star the Dreams overthrew clouds drifting west to lead the Godfishers. Let Chirito kill Slapstick to take the Piassos. And that rat Steel Trap jumped me, and not for long. Fou, c'est beaucoup de conversations, donc on va aller un peu plus vite. Parce que j'aime bien sa voix, honnêtement, mais il y a beaucoup, beaucoup. Quand vous passez des mines de boxer ici, j'ai demandé à un collectionneur de cicatrices. J'avais promis d'arrêter sa fille pour lui reprendre les rênes des gangs. J'ai retrouvé ma voix, il va mourir pour m'avoir leurré. Que ferons-nous si nous laissons partir? Conduirai à l'est, loin de cette misère à petite vie, je vais essayer pour reprendre la tête de Kill Rouge, ou tout ça, puis tout le Kansas, comme c'était écrit. Je suis une chose à faire en autre qui de quoi, mettre la tête de Patria sur un pic. Est-ce que ça me plus solide? Ok, donc lui, il veut défoncer le Patriarche. Je suis d'accord, parce que honnêtement, je l'aime pas, et j'ai envie de me rebeller contre lui, parce que pourquoi pas. nous avons des questions avant. Yeah, ouais, ouais. De toute façon, on a tué tout le monde, ça va. D'où viennent ces cicatrices sur votre torse? Perception 6. When I was born, my mother carved 12 lines into me. Ooh, wow. Symbolizing the 12 trials I would overcome before I ruled all of Kansas. Depuis, je les raye. Okay, once I take back the Scar Collectors, I cross out the 11th. Super. Comment un homme qui aime autant la liberté peut-il être esclavagiste? Oui, c'est vrai que ça, il a dit que c'était le plus grand esclavagiste. de la zone, je trouve ça un peu étrange. Yeah, seriously. If a man is destined to be free, then he'll be free. C'est un esclave, je pense que ce n'est pas son destin, il devra se battre pour changer ça. That's his destiny, then he should fight for it. Like I have. Où avez-vous trouvé ce bras? Can't be a scar collector without modding yourself. Ça fait partie du rituel d'initiation, j'ai choisi le bras. Bon, revenons à la question initiale, que vont faire donc. C'est pas rendu ici, nous ne travaillons pas avec esclavagistes, nous ne pouvons pas vous laisser la vie sauve. Bienvenue à bord. Alors. Alors j'ai vu qu'on avait.
J'ai vu qu'on avait du crochetage à faire. Donc on va garder Jody avec nous. Par contre, je veux bien le tester en fait. Je veux bien le tester un peu, voir un peu ce qu'il a fait. Attends, d'abord on va sauvegarder. Qui a monté de niveau ? Personne. Ok, donc il était bien. Il était bien à main nue en fait. Alors, vous avez fait faire le premier pas de la voie de la transhumanité. De toute façon, la chair est faible. Vous pouvez désormais équiper des modes de cyborg. Ouais, donc lui, il a l'augmentation de ça. Ok. Ok, cool. Donc, ses avantages. Alors, ses attributs. Bon, il est déjà très élevé en attributs. Il est un seigneur de guerre. Armure plus 4 de base. Ah ouais, non, toi, t'es fait pour être un tank, en fait. Enfin, oui et non, quoi. Donc, bagarre, t'es presque au niveau max. Je crois qu'on a... Je sais pas si on a un livre bagarre. Si, si, on a un livre bagarre. On peut le mettre au niveau 10, si on veut. Des juges de coups et points sont comme un ouragan, en plus mortel. C'est un commandant aussi. Qu'est-ce que t'as de trucs? Ouais, t'as ça. Ouais, ça c'est utile. Ça, c'est utile. Après, tu casses les robots, ça c'est bien. T'as pas besoin d'aller plus haut. Après, t'as les explosifs. Résistance au feu et à l'explosion, on peut prendre ça aussi. Et là, tu as donc... Surréchauffé, une attaque de bagarre paralysante qui pénètre les défenses d'acier. Pour chaque niveau de compteur de combo atteint, accorde plus 2 en pénétration d'armure et plus 10 en points de dégâts. Après l'utilisation du compteur de combo est remis à 0 et inflige 100 points de dégâts aux cibles sous découragement. Ouais, donc découragement et après ça. Ok, ça marche. Après, on a ça, l'enchaînement maximum de bagarre. Je sais pas ce que c'est cet enchaînement machin là, ce système de combat. Il faudrait qu'on teste. Pas du coup critique et l'enchaînement bagarre augmente de 2 fois. L'attaque de bagarre coûte 1 PA en moins. Intéressant. Mécanique, on n'a pas besoin d'avoir plus, qu'on a déjà de la mécanique augmentée. Et honnêtement, là, ce qui est bien dans la mécanique, c'est les dégâts contre les robots et véhicules. Et lui, il a déjà ça. Donc c'est bien, on n'a pas besoin d'aller plus haut. Oh, le chat qui arrête pas de miauler, on va le virer. On va le virer. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre? Ah, lui, il irait bien avec la science étrange aussi, tu vois. On pourrait le mettre tout en sauvage. Mercenaire, c'est quoi? C'est 5? Voilà, c'est 7. Ok. Ça, et toi, du coup, tu prends... Bonus de soins, ton résistance critique 50%. Vitesse de combat pour aller plus loin. Et après, donc toi, tu serais vraiment genre pure bagarre. Alors, pure bagarre, je crois qu'on a des bons trucs. Je vois les gantelets électriques. Ça fait quoi ça de spécial? Coup de jarnac, j'ai mis sur une attaque rapide qui a 40% de pression, ma vie est dans tes gamins. Genre ouais, on pourrait lui mettre 2 points pour faire style quoi, mais...
Ouais, on pourrait le mettre comme ça. Après, j'ai envie de dire qu'on pourrait lui mettre de la bière aussi. Mais ça sera pour plus tard. Enfin, on lui met comme ça pour genre, mais... Peut-être pas le faire. Pas trop quoi lui augmenter à la base. Après, on pourrait lui augmenter la mécanique. Est-ce qu'on pourrait lui mettre une arme à la limite? Les armes de poing, peut-être? J'ai envie de dire. On pourrait augmenter bagarre à fond et armes de poing. Mais bon, enfin, honnêtement, on va laisser ça comme ça pour le moment, parce que je sais pas trop. Et pour ça. On va attendre pour ça. Ça, j'ai bien envie de lui mettre le livre en fait. Je sais pas. On va attendre. On va attendre. La cellule, lettre tapée à la machine. Reminds me of the cow shed back home. Ouh. Ah bah du coup ce serait son équipement. Genre bon, nous on a mieux que ce point là, mais ce serait l'équipement en fait qu'on lui met quoi. Oh, il y a un truc là. Ah, mais c'est un explosif, d'accord. Okay. D'accord. Pourtant, l'explosif, on l'a désamorcé, non? Bon, Marshall, tu restes là? Bah on va voir s'il y a du monde et on va le tester un peu. Set d'explosif. On pourrait lui augmenter l'explosif parce que lui il est déjà vachement avancé. On pourrait le mettre à 7, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de le mettre à 7? Comme j'ai dit, on veut que ça soit Thunder de toute façon, le spécialiste en explosif. Donc, pour le moment, Osef un peu. Oh. Look alive. Whoever took out the other shit could still be around. Oh shit! It's the Desert Rangers. Pull back! Do not engage! The Patriarch can keep his money. Okay. Oh, bien joué. Attends. Je vais recharger, je vais les faire passer un par un. J'aurais dû le faire, mais des fois je me dis bon ça va, ils vont passer, mais en fait non. Désolé. Donc oui, on pourrait lui mettre l'explosif, mais bon. Whoever took out the other shift could still be around. Oh shit! It's the Desert Rangers! Pull back! Do not engage! The Patriarch can keep his money! Right behind you! Okay, on devrait être bon.
Je crois que ceux qui nous suivent ne déclenchent pas les choses. Il a vitesse plus combien avec l'augmentation? C'est plus 1. Donc ça c'est vachement important, vachement intéressant. Je me demande pourquoi. Du coup, est-ce que son fusil là, on peut l'utiliser ou pas? Il a peut-être une habilité spéciale, faudra vérifier en combat. Bon, elle est où l'embuscade? Par contre, j'espère pas que le matriarche là, il va nous faire chier direct. Hein. Here we come. Bon, on a personne. This is Dead Red calling those November cowboys one more time. Heard you met Ironclad Cordite. C'est bizarre parce qu'il a dit qu'il la connaissait pas, lui. N'appuyez que vous débarrasse ceux qui bossaient pour le patriarche, vos amis, dans une belle merde. Il était enfermé au bunker, on lui dit. Vous nous avez manipulé pour qu'on vous débarrasse de ceux qui bossaient pour le patriarche. Just don't tell him and you'll be fine. Nobody knows you did it. And Buchanan can't admit those men were his. He can't even admit that they exist. Existed. And, well, I apologize about that. I didn't know any other way of getting you up to speed. But now that you've talked to Cordite, you understand who the Patriarch is, right? Ouais, en fait, c'était pas son ami, elle nous a un peu manipulé, donc déjà pour tuer son groupe de mercenaires, là, qu'il avait engagé. Et après, pour surtout avoir des informations directement avec Cordite. Pas un criminel qui a une grosse patte, grosse sur la patate, qu'est-ce qu'on doit lui faire? Plus confiance qu'à vous. Comme nous a ouvert les yeux, non, on ne sait pas trop quoi penser. On va le faire le premier. Well, I guess you gotta make up your own mind. I just wanted you to know that the way the patriarch tells the story ain't the only way there is to tell it. Okay. Is he with you now? Pourquoi Cordy est si important pour vous? Let's just say there are places where our hopes for the future overlap. Now, do you have him or not? Dites-nous d'abord un peu plus sur Cordite. Sorry, cowboys. Not till I can trust you a little bit more. Non, mais on a tué une trentaine de personnes sur un mensonge, connasse. Glad to hear it. Do your best to keep him alive. He could really help us out when things start happening. For now, just keep helping the patriarch collar his kids. We're with him on that. Can't have a bunch of rabid animals running around loose, can we? Okay. Although, I guess he wants you to bring him back alive. We don't care so much about their condition. Fact is, Colorado will be a whole lot safer without him. The patriarchs. Attends, de quelle part? Always have a claim on this land. Ah, les héritiers, oui, d'accord, ok. They're even worse than Buchanan himself. Bon, eux, ils aiment pas aussi les enfants, mais nous, moi, j'aimerais bien. Anyhow, I'll be in touch. Dead Red, over and out. J'aimerais bien m'allier avec la fille, là, avec Liberty. Ouais, moi c'est Liberty, je suis assez fan. Alors on va rentrer et on va prendre le grippin boy. Et on va revenir, on va faire le grippin parce que ça c'est pas un endroit qu'on reviendra souvent, donc enfin voire même pas du tout. Donc autant le faire maintenant, c'est à côté, on a juste à changer de personnage vite fait. Alors eux par contre ça me... Il y avait quoi là? Faudrait virer eux. Merde, je suis pas au bon endroit, c'est là. Ça pourra faire économiser aussi des munitions. Si vraiment il est extrêmement bon en bagarre et tout, ça peut faire économiser énormément de munitions.
here to serve. Ouais. Quand ça sort des gens partout, je regarde s'il n'y a pas des noms spéciaux. Let's go. Attends, on est d'accord que compétence était à 9 et le badge de réparation de grippe. Hein. Toi, tu sers qu'à ça, quoi. C'est ouf quand même. Attends, dégâts, couverture. Dès qu'on a une attaque d'arme de poing qui descend en position. Ah oui, c'était ça, son l'attaque spéciale là, qui est pas mal. Attends, c'est quoi ça? Bonus dégâts de feu, chaque tour première attaque inflige brûlure. Ah oui, attends. Six points. Hop là. Je veux bien cette habilité, ça a l'air pas mal en fait. On pourrait même faire du crochetage la prochaine fois. Du coup, lui pourrait être crochetage et grippe. Mais bon, on s'en fout un peu quoi. Ok. J'ai pris la dernière habilité, c'est parce que ça peut être utile. Ça peut être utile pour le combat, parce que... Enfin, ça fout le feu, quoi. Ça fout le feu. Donc c'est bien. Après, le genre, c'est 30... Alors, 35%, c'est énorme. 35% de dégâts de feu. Mais ça va pas vraiment être utile s'il a pas de feu. On pourrait mettre Grippin à Thunder, plus tard. Désolé, hop, on y va. D'accord, merci, Hobo Man. Hobo, hobo. Il nous faudra ça, critique. C'était pas mal comme petite mission. Là, ça s'est bien passé. Là, on est un peu plus haut niveau quand même. Hein. Donc, honnêtement, on a un peu roulé sur les mecs. Donc, c'est un peu la différence. Surtout que... Oh, putain de merde. Toi, t'es vraiment en train de nous prendre tous les trucs, quoi, à chaque fois. C'est ouf. Hein. C'est ouf de faire ça, hein, tout le temps. Je crois qu'il... Pfff. C'était juste, hein. Il était où, le grippe, hein? Ah non, il est de l'autre côté. Ah non, il est dans la salle principale. Je suis passé à côté. J'ai entendu filer là.
étoile de combat et on a ajouté. Le jeton, c'est bizarre. Et on avait dit qu'on voulait aussi retourner à Denver, aux ruines de Denver, pour voir les robots, s'il n'y avait pas autre chose. Alors, le grippin du bunker survivaliste, c'est fait. Ah, la maison de Brunker Isle, c'est ça. Il y avait un crochetage ici, je vais voir 2 secondes. Oui. Ferme ta bouche. Il fait un crochetage ici. Non. Pourquoi j'ai écrit crochetage moi? Ou alors je l'ai fait. Propriété de Wesson peut-être? Bon, là, plus. Explosifs, des amorçages. Ah, y a un grippin là. Donne-moi des grenades. Grenade UM. Tu veux me dire que tu viens de monter de niveau? Tu viens de monter de niveau. Et tu m'as débloqué une grenade UM. Tu m'as récupéré une grenade UM. Putain, tu gères Thunder. Et là, on a un grippin. Que j'avais complètement zappé. Cordon d'alimentation isolé en or. Objet. Câble caoutchouté imprégné d'or qui peut transporter l'électricité d'une prise de courant à un grippin. What? Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de ça? Faut le vendre? 1000. Ah bah. Ouais, c'est pas mal quoi. Ah! Crochetage ici. Crochetage ici. Ça marche. Dégâts bonus pour chaque point d'armure assis. Je crois que ça serait bien de l'avoir maintenant. Mais dans un sens, j'ai bien envie d'augmenter la science étrange si jamais on en a besoin. On va attendre. On va attendre. Alors, faut faire. Alors, putain, faut que je me fasse une liste dans la tête, quoi. On doit aller au bizarre pour le jeton. On doit reprendre la fille qui fait du crochetage. On doit reprendre le coffre. On doit prendre le coffre. Et après, on doit aller voir les robots.
Et après on a... Ouais, ça va, on a 3700. Après on a le... Pourquoi tout le monde qui tousse? Good to see you. Sure thing. Let's have a look. Ouais, pas besoin du grip. Hein. Pas besoin d'autre chose. On peut garder le grip. Hein. Donc après, on va partir pour Bizarre. Parce que c'est les plus proches. Bizarre, c'est les plus proches. Donc le jeton. Le jeton, ça peut être une habilité, ça peut être un bonus, c'est cool. Honnêtement, s'il y a une habilité en plus, ce serait sympa. Et après, quand on retourne au QG des Rangers, à la limite, on peut reprendre le bagarreur et le tester. Parce qu'on va sûrement se faire attaquer sur le chemin. Faut qu'on se fasse soigner aussi. Alors, la maison était là. Ouais, c'est ça là. C'est bien qu'on ait trouvé le grip. Hein. Après, le câble, je vois pas à quoi ça peut servir. Je pense que c'est juste pour le vendre. Les objets comme ça, là, qui ont beaucoup de valeur. Je pense que c'est pour la vente, mais bon. Oh, ça c'est bien ça. Ah non, c'est niveau 1, ouais, c'est pas trop. Bren. Ma dearest Lucia, I pray this message finds its way to you, as it is the last I am ever likely to give. Whatever becomes of us, you mustn't blame yourself. I know you would have wanted to be here at the end, but I am glad you are not. Open the door, Wesson! Time to face death! Your mother and I love you very much. Wow. And we are so proud of what you have become. You are destined for great things, Miss Lucia Wesson. I regret that I shall not live. Bah encore heureux que Lucia était pas là pour entendre ça. Enfin, je sais pas. Non, on a bien fait de le tuer, l'autre. Hein. L'autre qui a vendu ses parents et tout. On a bien fait de le tuer, ce connard. Quelle saloperie. Alors, Zeus... on peut... Attends, si je dis pas de conneries... On a un peu d'énergie. Après maintenant c'est que niveau 12, hein. On a mieux. Hein. Donc je suis en train de me dire... Genre arme laser lourde, c'est pas top. Enfin il nous faudrait un truc mieux. Science étrange, c'est quoi ça? Ah oui, c'est pour déstabiliser les gens. De lance-lame à énergie. Lance-lame à énergie, là, il reste encore ok. Il est niveau 15, nous on a des armes entre niveau 15 et 20, donc à la limite ça passe encore. Mais bon, c'est du gel, hein, c'est pas du feu. Attends, là on a quoi? Ah, cocotte minute. Ouais non, on s'en fout, cocotte minute. Truc d'un télo. On peut augmenter mécanique du coup. Et là, je crois qu'on va mettre vitesse.
pour aller plus loin. 3, 4. Ah, peut-être. Oui, j'avais dit qu'on mettait tout le temps intelligence à 5 au moins. Ouais. Tourelle laser. C'est parce qu'on a intelligence? Ah non, c'est parce qu'on a mécanique, je crois. Ouais, tourelle laser. Ouais, c'est parce qu'on a mécanique. Et on a eu renforcement. Réparation des véhicules, des robots et des éléments déployables alliés donne plus 5 d'armure pendant 3. Ouais, mais ça, c'est pour moi? Comme vous savez, non seulement ça marche, mais en plus, ça encaisse sévère. C'est pour moi ou c'est pour la chose que je répare? Je crois que c'est pour la chose que je répare. Repérer donne 2 PA. Ça, je crois qu'on va le prendre. Parce qu'au final, c'est vrai que quand on pirate, on va souvent en fait faire le genre la map. On va courir. Donc le fait de pouvoir gagner 2 PA, ça pourrait nous aider à nous protéger ou alors à nous mettre de côté en fait. Il y a cette habilité que je suis pas vraiment fan. En fait, lui, j'ai envie de le refaire, Zeus. Parce que le Zeus, on l'a pas encore refait. On n'a pas encore reset. On a reset Sentinelle, Fury et Thunder. On n'a pas fait Zeus. C'est juste parce qu'il y a ça, je voudrais changer peut-être. Mais bon. Enfin, dans un sens, ça va peut-être aider quand il y aura vraiment beaucoup de robots et tout ça. C'est vrai qu'une fuite, une grosse AE comme ça, c'est intéressant quand même. Mais bon. Après, il y a ça aussi, je me demande si on devrait pas. Premier tour. Non, c'est le premier tour, c'est pas vraiment très intéressant. Mais ouais, non, 2 PA robots piratés, j'avoue que oui. Parce qu'au début, je me suis dit. Non, c'est pas très intéressant et tout. Je me suis dit, c'est pas vraiment très intéressant d'avoir 2 PA et tout, parce que c'est situationnel et tout. Mais en fait, c'est situationnel, mais c'est vachement utile dans la situation. Parce que pirater des choses, il faut souvent genre courir le long de la map, quoi. C'est pour ça aussi qu'on lui augmente vitesse. Pour aller plus loin facilement. Et après, il gagnera 2 PA quand il piratera. Donc, on a fait le crochetage, on a fait le grille-pain, on a fait. J'ai plus qu'à aller à Bizarre et au robot. Donc on va changer de partenaire. Here to serve. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? I know it's a tight fit with the refugees, but there's always enough room to do the right thing. Attends, il y a la radio là. Okay. On s'en fout, t'as pas entendu la radio, une sorte d'appel détresse? Oui, ferme ta bouche. C'est moi le chef, c'est pas toi. Alors, on va prendre lui et elle en a pas besoin. Let's go. Mettre ça du coup. Tank 6. Je pensais qu'on avait. Que c'était. Je me rappelle plus qu'on avait deux fois en fait le tank. Après le corps, je crois que c'est le mieux. Hein. Sauvage. Ouais, on est bon comme ça. Ok, parfait. Alors on peut aller. Je sais qu'on a aussi le camp à trouver là pour elle. Alors on peut d'abord se soigner. Même si je crois qu'on n'en a plus besoin. Ok. Ah si, si, les trucs pour quand on s'est fait tuer en fait. Alors est-ce que on doit
acheter des choses, vendre des choses. Welcome back, Rangers. What can I do for you? Ah tiens, je vais noter le prix, voir si c'est mieux au bizarre ou pas en fait. Parce qu'on a 12%. Genre par exemple, armure, je vais l'écrire. Armure de trooper. Ça se vend l'armure de trooper au bizarre? Je sais pas. $286. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Armure tank. 357 dollars. Parfait. On n'a pas de trucs laser. Hein. Lance-lame décapeur, lance-roquette. Lance-roquette, on a mieux de toute façon. Il y a ce fusil d'assaut à impulsion. Nickel. Ah oui, il faut voir le câble. Qu'on rigole un peu, le prix du câble. Je sais même pas si on peut le vendre. $300, ouais. Ça qui est bizarre, c'est qu'ils disent la valeur 1000. Mais c'est jamais ça, en fait. Donc je comprends pas pourquoi... Ah oui, mais on a un laser dessus sur notre camion maintenant. Est-ce qu'on va prendre... Oh, 594 maintenant. Donc on va prendre ça. Donc ça ferait 1005. On va un peu pimper notre ride, hein, comme j'ai envie de dire. Ornement étoile ranger, je serais pas contre, ça fait stylé. On a blindage de véhicule moyen. Blindage de véhicule léger. Moyen, ça fait quoi? Armure 24, constitution 180, ça serait pas mal. Vitesse sur la carte du monde. J'ai envie de le prendre maintenant, en fait. Comme ça, on va... Comme ça, c'est fait, mais bon. Non, on va pas le prendre maintenant, on n'a pas besoin. On n'en a pas besoin pour le moment. On n'est pas... C'est pas nos missions. Là, on doit aller au bizarre, et après, on va chez les robots. C'est bête qu'il y ait ce bug de graphique là de la sirène qui est pas sur le capot. Ça c'est vraiment con ça. C'est bête qu'il l'ait pas corrigé ça. Denver, c'est par là. Hein. Il y a toujours ce logo là de d'argent, mais on peut rien y faire. Je suis content, ça se passe bien. Quand on est en avec la difficulté la plus élevée, il faut toujours faire très attention en fait au niveau des missions au final. C'est vraiment ça qui paye. Alors, fais voir. Alors, attendez. Faut que je regarde les prix. C'est pas là les armures, je suis con. Est-ce que sinon on a quoi d'autre? Ah oui! Ah oui, le canon à Mason. Ah ouais.
Niveau 15. Ça vaut le coup. C'est le canon MS100, on en a pas, hein. J'avais oublié qu'on avait ça, l'incinérateur. 6800. Niveau 21. Ah ouais. Huh. C'est combien? C'est 7? Putain, chier. Putain, on a tellement de trucs. On a des trucs au niveau. Là, parce que là, on a mis... Enfin, honnêtement, ça nous aide, hein, les compétences, genre explosifs, sciences et tout ça. Ça nous aide. Hein. Mais là, on commence du coup à être un peu en arrière par rapport aux armes. Mais bon, c'est toujours comme ça que je fais, moi, perso. Donc du coup, on a des super armes, mais on peut pas les utiliser. Mais le Mason, j'en ai pas. Attendez, faut que je regarde la gueule que ça. Hello again, strangers. Certainly. Ok, ça lance requête science 5. Je regarde l'icône en fait. Non. Il y a l'incinérateur. Non, on l'a pas. On l'a pas. 788. Science 5, donc nous on peut. On a 5. Ok. Il nous faudrait 2 niveaux d'armes lourdes. A laser pistol. Oh, I've always wanted one of these. You're up, Bucky. I'll tell you in the quick. They're here. Hello. Welcome to Talbot's tent. That's why I'm here. Alors, 284 et nous c'était. Armure de tank, 357. Et trooper, est-ce qu'on a trooper? Trooper, 227. Et nous, c'était 286. Donc, ouais, c'est beaucoup moins cher au bizarre. Donc, il faut absolument prendre au bizarre, en fait. Faut pas encore faire le... On doit avoir une trentaine de pourcents. Ici. Ouais. Hey, if you're into weird shit, check out Quark's museum. Il prend toujours pour son grade. Quoi? Prescience. Ah, j'ai pas lu la phrase entière, désolé. C'était machin, il en prend toujours pour son grade. Esquive 10% des aperçus du futur vous permettent d'être bien préparé. Yes! Cool. Donc on pourrait prendre des armures ici. Voir un peu les armures qu'on a. Après honnêtement, ça passe encore. La trooper, on n'en a pas vraiment besoin. La trooper, on n'en a pas forcément besoin. La tank non plus, parce qu'on a déjà des trucs au niveau... Honnêtement, les armures, ça va, parce qu'on a trouvé plein de parties un peu spéciales, là. Puis après, on a la chemtech qui va arriver aussi. La chemtech, c'est niveau combien? Je voudrais bien qu'elle la mette, en fait. C'est science étrange 6... Qu'est-ce qu'on fait? On met science étrange 6. Et après, il faudra mettre arme lourde du coup, hein, parce que sinon. Ouais.
Hop. Hop. Et maintenant il manque plus que les jambes. Je sais pas où elles se trouvent les jambes. J'espère qu'on les a pas. On les a pas ratées. Ce serait bien qu'elle soit peut-être augmentée cybernétiquement à la limite. Pour qu'elle ait des trucs encore plus pétés. Ah là, c'est un appareil portable qui émet des fortes poussées d'énergie sonore, affaiblit temporairement les sens hostiles organiques. On peut tester ça aussi. J'ai envie de dire. On peut tester ça. Y a pas un meilleur lance-flamme? Parce que on a un truc niveau 21, on a un truc niveau 13 dans les mains. On n'a pas entre les deux? Ah si, il y a le lance-flamme de froid. Qui est quelque part. Non, mais c'est 6, j'ai rien dit. Enfin bref, très bien. Et avantage, les dégâts d'énergie infligent 0,5 points de dégâts de en bonus pour chaque point d'armure de la cible. J'ai envie de prendre ça, moi. Charger votre arme pour lui permettre d'infliger des dégâts bonus d'énergie, de froid ou de chaleur lors de la prochaine attaque. Je sais pas si c'est utile. Non mais de toute façon j'avais dit qu'on attendait ça. Donc on va pas commencer. Et toi du coup tu peux avoir... armure de tank, armure 10. Hop. Est-ce que le casque c'est mieux? 8, 50 de froid. ...50% de fois... ...armure 4... Bonus. Le bonus de soin, je pense pas qu'on en ait besoin. Parce que là, il y a du bonus de soin, en fait, déjà partout. Ok, très bien. Ça, c'est fait. On n'a pas besoin d'acheter des nouvelles armes pour le moment. Si jamais on doit acheter des nouvelles armes et tout, je ferai encore un tour. Mais hors, hors jeu, hors vidéo. Après oui, on pourrait acheter, encore une fois, comme j'ai dit, l'armure de trooper et tout, mais ça serait vraiment vouloir optimiser notre truc alors qu'on n'a vraiment pas besoin, honnêtement. L'armure de trooper, pas vraiment besoin. Par contre, les balles peut-être, parce que vu qu'on y est, ça ouais, je voudrais bien... Ouais. Peut-être acheter des balles. Balles de sniper. Du kérosène. Et des lasers. Au moins ça. Comme ça, vu qu'on est là. Et c'est le moins cher qu'on ait, le bizarre pour le moment. Guns. Hello again, strangers. Certainly. Décision incendiaire. Après on a des tourelles et tout qu'on pourrait acheter, des bonus, des atouts. Portée 4 mètres. 48$. Putain, le Mason, j'ai vraiment envie de l'acheter, mais de toute façon on peut pas l'utiliser, donc ça nous servira à quoi? Tu reprends les trucs super chers quand même.
Ok. Donc on avait dit. Alors, les 3006. 3006. On va prendre. J'ai envie de toutes les prendre. On va prendre une cinquantaine. Et après, alors les requêtes, non. Après, il y a ça aussi. Ça, ça coûte cher par contre, cinquantaine. Et du kérosène. Voilà. Parce que, comme d'habitude, hein, j'ai envie de... garder la ferraille. La ferraille, ça nous permet... Parce que la ferraille, ça part très vite. On avait vu que quand on avait fait tout plein de munitions avec, on faisait que ça, en fait, parce qu'on n'arrivait pas... Enfin, on n'avait pas l'argent, vraiment. Bah, c'était quand on combattait en dessous du bizarre, je crois, où on faisait que des munitions avec, via la ferraille. Et du coup, en fait, ça part très vite. Ça part nettement plus vite que, ce qu'on en récupère. Mais on a besoin aussi pour rajouter, pour faire des... des bonus de... Attends. Ouais, ok, non, c'est bon. On en a besoin pour faire les améliorations des armes et tout ça. Okay. Je suis en train de me demander hein, si vraiment on devrait pas lui mettre le bagarre comme ça, ça prend un PA en moins. Genre ça. Du coup, il faudrait lui apprendre par le livre, ce serait beaucoup plus simple. Ça ferait moins de points, parce que là, je crois que c'est 7, 6, 6 points. Donc, on peut lui mettre autre chose à la place. De toute façon, bagarre, c'est pas vraiment un skill qui va me plaire, moi. Donc, autant... Bagarre, c'est, ça m'intéresse pas en fait d'avoir un personnage comme ça. Principal, je veux dire, hein, principal. Donc, autant lui mettre à lui. Ouais. On va faire une belle sauvegarde, je vais faire une pause et on continue après. Honnêtement, là, ça va, c'est cool. Donc, prochaine fois, j'espère que j'ai pas oublié, on va vers les robots. On va voir les robots, s'ils ont quelque chose à faire. Sinon, on se remet dans les... on se remet à aller voir... l'émission. À la prochaine. Ciao, ciao.